motiver, c'est d'abord partir de là où nous sommes. Dans votre message, vous devez présenter la situation actuelle. Deuxièmement, c'est de dire où nous allons, quel est l'objectif que nous voulons atteindre. Et puis ensuite, le pourquoi irons-nous. Et ça, c'est l'élément fondamental, le pourquoi, que certains appellent le why, le pourquoi. Pourquoi tu décides de faire ça? Pourquoi tu décides de t'engager dans ça? Pourquoi tu décides de le faire? Si ton why, si ton pourquoi est suffisamment fort, les difficultés que tu vas rencontrer ne vont jamais t'arrêter. Mais si les difficultés pèsent plus que le why, plus que ton pourquoi, tu vas finir par t'arrêter lorsque tu vas constater la difficulté. On ne peut amorcer une transformation, un changement, que lorsqu'on a pris conscience. Et moi, j'ai une citation qui m'est personnelle. Je dis que vous ne pouvez changer personne, mais vous pouvez les aider à changer à moins qu'ils décident eux-mêmes. Faut qu'ils prennent conscience et qu'ils décident de changer.